أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Créateur de toutes choses, Allah par qui et pour qui nous existons, Allah qui nous a établis sur la terre rien que pour l'adorer, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Nous lui disons merci infiniment pour toutes ses grâces et particulièrement l'une des plus grandes de ses miséricordes qui est le mois béni de Ramadan. Nous lui disons merci. Alhamdoulilah, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Alhamdoulilah, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah. Bien, comme nous l'avons si bien dit, depuis hier, on avait dit comme ça qu'Inch'Allah, aujourd'hui, on allait commencer donc le tafsir du Coran, donc organisé par la DDR dans ce mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Partagez le direct, partagez, mettez les cœurs, Inch'Allah. Bien, les débats sont très importants. Mais ici, nous sommes, comme je le disais depuis hier, dans un mois spécial pour les musulmans, le mois béni de Ramadan, qui a tellement de valeur, qui a tellement de mérite, tellement de bienfaits. La miséricorde d'Allah est tellement immense, tellement grande, que nous ne devons pas laisser ce mois-là passer comme ça, sans nous éduquer spirituellement, sans nous inciter, sans nous exhorter les uns les autres à plus adorer Allah dans ce mois. À nous consacrer donc dans la spiritualité afin d'obtenir donc les mérites de ce mois et de nous faire pardonner nos péchés passés, Inch'Allah, et obtenir le paradis. Bien, chers frères et sœurs, Alhamdulillah, comme je le disais tantôt, c'est un grand mois et nous allons donner quelques détails sur donc les mérites de ce mois. Vous devez savoir que ce mois, appelé communément le mois de Ramadan, Charou Ramadan, a plusieurs noms que les savants donc, ont pu trouver. Près de 60 noms. 60 noms. C'est-à-dire que, or chez les Arabes, vous savez que dans le style donc, de langage chez les Arabes, quand tu as une chose qui existe et qui a au-delà de trois noms déjà, c'est que c'est une chose spéciale et très importante. C'est-à-dire quand une chose a plusieurs noms, c'est qu'il y a une importance quelque part. Chez les Arabes, c'est comme ça, naturellement. Donc du coup, Charou Ramadan, c'est le nom qui est aujourd'hui populaire, c'est le nom que nous connaissons, le mois béni de Ramadan, alors qu'il y a plus de 60 noms que porte donc ce mois béni. Comme par exemple, Charou Mubarak, donc le mois donc, de la bénédiction seigneuriale. Il y a Charou Rahma, le mois de la miséricorde d'Allah. Charou Maghfira, le mois donc du pardon. Charul Qur'an, le mois de la révélation du Qur'an. Et il y a plusieurs noms donc, de
ce mois béni de Ramadan pour montrer son immensité, sa grandeur, ses mérites, son élévation par rapport aux autres mois. Alhamdulillah, et nous devons savoir que ce mois, il est souvent 29 ou 30 jours. Ça dépend, 29 ou 30 jours. Je m'excuse vraiment, hein. Chez moi ici, dans la région où je suis là, il y a un problème de réseau. Je ne suis pas à Abidjan. Le réseau dans la région de la Bagoué n'est pas trop ça. Vous voyez que souvent, c'est lent. Voilà, par exemple, on vient de mettre connexion lente. Bon, ce n'est pas ma faute, hein. Voilà. Vous qui suivez, voilà, donc vous devez savoir qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans le laboratoire ici, hein, au niveau de la connexion surtout. Donc, la connexion est très lente ici, mais Inch'Allah, ça ira. Donc, faites l'effort de suivre le direct, faites l'effort, même si la connexion est lente, ne vous découragez pas. Inch'Allah, on va avancer tout doucement. Donc, ce mois béni de Ramadan qui porte plusieurs noms à cause de son, donc, de ses mérites et de son importance est subdivisé en trois grandes parties. Bien. Il y a trois décades. La première décade a son sens et ses mérites. La deuxième décade a ses mérites. La troisième décade a ses mérites. La première décade donc du mois du Ramadan, c'est la décade donc de la bénédiction et de la miséricorde d'Allah. Quand on parle ici donc de la première décade, on parle des 10 premiers jours du mois du Ramadan. Ces 10 premiers jours-là donc sont couverts de la miséricorde d'Allah, sont couverts de la bénédiction donc d'Allah. Ça, les 10 premiers jours. Et nous sommes actuellement tous dans donc, le début du Ramadan, donc dans l'intervalle des 10 premiers jours. Donc, pour celui qui jeûne dans ces 10 premiers jours, avec sincérité, avec foi, avec crainte, en s'éloignant de tout acte blâmable, de tout acte négatif, de tout acte immoral et désavouable, en préservant son jeûne, en éloignant donc son jeûne de tout acte qui peut l'annuler, et donc, en adorant Allah de façon assidue, celui-là sera couvert de la miséricorde d'Allah ainsi que de sa bénédiction dans cette première décade. La deuxième décade donc du mois de Ramadan, toujours c'est l'importance du mois de Ramadan que nous donnons tout doucement, parce que les gens doivent savoir qu'il y a une différence entre l'importance, les mérites même d'abord du mois et les mérites et l'importance du jeûne. Parce que le jeûne n'est pas seulement que dans le mois de Ramadan, même en dehors du mois de Ramadan, on peut jeûner. Donc, le mois de Ramadan maintenant a son importance, le jeûne même en particulier a son importance. Et maintenant, le mois de Ramadan maintenant et le jeûne rassemblé ont encore une autre importance pas possible. Et donc, on va décortiquer tout doucement et rentrer dans le Coran, Inch'Allah. Donc ici, comme je disais, la deuxième décade, c'est-à-dire la deuxième vague donc de 10 seconds jours qui suivent les 10 premiers jours, donc la deuxième décade, c'est la décade du pardon. C'est dans cette décade, celui qui continue encore son jeûne, après avoir obtenu la miséricorde et les bénédictions d'Allah, donc dans la première décade, dans la seconde décade, quand tu continues comme ça avec assiduité, avec courage, avec dévotion, dans tes actes d'adoration, en t'éloignant toujours des actes immoraux et désavouables, en te repentant de tous tes péchés avec un regret sincère et parfait, en promettant à Allah de ne plus jamais reprendre, et tenir cette promesse, dans la deuxième décade, Allah t'accorde son pardon. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le pardon d'Allah? Subhanallah. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que l'obtention du pardon d'Allah? Ce n'est pas un être humain qui te pardonne. C'est Allah, le créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas plus grand que le pardon du Seigneur. Quand Allah t'accorde son pardon, ça veut dire que toi, tu n'as plus de problème. Subhanallah, ici-bas comme dans l'au-delà. Le pardon d'Allah est immense. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, quand sa femme Aïcha lui demande quelle est cette doigt qu'elle doit faire, hein, beaucoup de fois dans le mois de Ramadan, surtout dans les 10 derniers jours, il a dit à sa femme, la doigt qu'il a donnée, c'est la demande de pardon. Et qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Allahumma innaka afuun kerimun tuhibul afwa fa'afu anni. Subhanallah. Allah, tu es celui qui aime le pardon. Il n'a que afouun. D'abord, tu es le grand pardonneur. Et tu es tohiboul afoua, celui qui aime le pardon, celui qui aime pardonner à ses créatures, celui qui aime leur faire miséricorde, celui qui est magnanime. Fa'afou anni et Allah, pardonne-moi. Subhanallah. Vous voyez, la demande de pardon, elle est très importante dans ce mois béni du Ramadan. Donc, la deuxième décade, c'est la décade de l'obtention du pardon. C'est-à-dire, Allah accorde son pardon à ses créatures. Il dit bien, ceux-là qui jeûnent, connaissant d'abord leur signification du jeûne, qui savent pourquoi ils jeûnent,
qui, lorsqu'il jeûne, il s'éloigne de tout acte immoral et désavouable, de tout ce qui est blâmable, qui sont donc dans tout ce qui est convenable, et qui s'éloigne de tout ce qui est annulatif, donc du jeûne, qui adore Allah avec sincérité et crainte, c'est ceux-là qui obtiennent les mérites. Donc ici, ceux-là auront le pardon d'Allah. Et je vous assure, lorsque Allah t'accorde son pardon, mon frère et ma soeur, ça veut dire que toi, tu es sauvé. Et imaginez-vous un seul instant, quand Allah te pardonne, ça veut dire qu'il a laissé tomber tous tes péchés, le vol que tu as commis, les meurtres que tu as commis, la fornication, l'adultère, tout ce que tu as pris comme usure, tout ce que tu as fait comme détournement de fonds, le mensonge, le vol, etc. Tous ces péchés, les calomnies, etc. Tous les péchés que tu as pu commettre, ça veut dire que quand Allah t'octroie son pardon, quand Allah t'accorde son pardon, ça veut dire que Allah a laissé tomber tout ça. Ça veut dire que Allah t'a pardonné tous tes péchés. Mon frère, tu es destiné directement au paradis. Et quand Allah t'a pardonné tous tes péchés, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui te sépare de ton Seigneur. Parce que la seule chose qui éloigne la créature de son Créateur, la seule chose qui éloigne l'être humain d'Allah, c'est le péché. Au fur et à mesure que tu commets les péchés, tu t'éloignes de ton Seigneur. Et quand Allah il t'accorde son pardon, tu deviens plus proche de ton Seigneur. La seule chose qui te sépare de lui maintenant, c'est que juste tu ne le vois pas. Il est plus proche de toi que la veine jugulaire. Quand Allah t'accorde son pardon, ça veut dire que tu es plus proche de lui que tout. Ça veut dire que tu es devenu son ami. Le péché qui t'éloignait de lui n'est plus. Et en ce moment, tout ce que tu demandes à Allah, Allah te l'accordera. Alors, allez-vous laisser ce mois-là passer comme ça tranquillement? Allez-vous rester à dormir là? Allez encore dans les maquis? Qu'est-ce que vous attendez pour obtenir le pardon d'Allah qu'il vous offre gratuitement? C'est-à-dire que le paradis vous est offert gratuitement. Pendant que les shaitans sont enchaînés, les démons, tout, le shaitan, le diable et ses suppôts, tous sont condamnés actuellement. Les sept portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont grandement ouvertes. Qu'attendez-vous, chers frères et sœurs? Qu'attendez-vous? Et la dernière décade, la troisième partie, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, est la partie la plus importante encore. Ce sont les nuits les plus importantes. Voilà. La dernière décade est la partie la plus importante du mois de Ramadan. Parce qu'en elle se trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est-à-dire 83 ans et quelques poussières d'adoration. Tu ne sais même pas si tu vivras plus de 40 ans. Mais en une nuit, Allah te donne les mérites de quelqu'un qui l'a adoré pendant 83 ans, quelques mois. Subhanallah. Et donc, ces 10 derniers jours, dans cette dernière décade, qu'est-ce que Allah t'accorde là-bas? C'est-à-dire, il t'accorde son paradis. Qu'est-ce que Allah t'accorde là-bas? Allah efface ton nom de l'enfer, de la liste de ceux qui rentreront en enfer. C'est-à-dire, il t'éloigne définitivement du feu et t'inscrit parmi les habitants du paradis, alors que tu es encore sur terre. Subhanallah. C'est-à-dire, dans les 10 premiers jours, dans la première décade, il t'accorde sa miséricorde et sa bénédiction. Dans la deuxième décade, il t'accorde son pardon immense et infini. Et dans la dernière décade, il t'éloigne définitivement de l'enfer en t'inscrivant dans la liste des habitants du paradis. Pendant que tu es en train de marcher sur terre. Ça, c'est la grandeur du mois de Ramadan, subhanallah. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que vous attendez, chers frères et sœurs? On continue encore avec les mérites donc, du mois de Ramadan, comme je le disais tantôt. Dans les mérites du mois de Ramadan, il y a encore ce qu'on a dit, ce que j'ai dit un peu en haut, il y a la fermeture donc des portes de l'enfer. Les sept portes de l'enfer sont fermées. Allah il dit à l'ange de l'enfer, gardien de l'enfer, qui est appelé Malik, Allah il lui ordonne de fermer toutes les portes de l'enfer parce que le mois béni de Ramadan a ouvert ses portes. C'est-à-dire quand ce mois apparaît, quand il ouvre ses portes comme ça, quand lui ouvre ses portes, Malik, avec la permission d'Allah, l'ange, le gardien de l'enfer, ferme les portes de l'enfer, subhanallah. Regardez les mérites de ce mois. Et il ordonne en même temps à Ridwan, le gardien du paradis, d'ouvrir, l'ange gardien du paradis, d'ouvrir les 8 portes du paradis pour ses serviteurs, pour ses créatures, subhanallah. Regardez la grandeur d'Allah. Durant le mois de Ramadan, et il ne s'arrête pas là. Il ordonne à Sayyidina Jibril alayhi salam de descendre sur la terre et d'enchaîner tous les démons et le diable, de les enchaîner tous
et de les déposer en enfer jusqu'à la fin de ce mois. Regardez ces trois grandes bénédictions d'Allah. Regardez cette grâce. 1. Les 7 portes de l'enfer sont fermées. 2. Les 8 portes du paradis sont ouvertes. 3. Sayyidina Jibril descend et ordonne d'enchaîner. Il ordonne d'enchaîner tous les démons qui sont sur la terre, le diable, de les enchaîner tous. Mais qu'est-ce qu'il te manque d'obtenir le paradis ici, mon frère? Qu'est-ce qui te manque de profiter pour pardonner tous tes péchés que tu as pu commettre? Qu'est-ce qui te manque? Où les chétans sont enchaînés? Où les portes de l'enfer sont fermées? Où les portes du paradis sont ouvertes? Et qu'est-ce qui te manque, toi? En fait, dans tout ça, il y a des gens qui refusent, quoi. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est là, hein. On lui dit, mon frère, voici la porte du paradis qui est ouverte. Voici celle de l'enfer qui est fermée. Les démons sont enchaînés. Donc, va au paradis. Il n'y a plus un autre coin où les portes sont ouvertes. Hein. Ben, tout est fermé. C'est seules les portes du paradis qui sont ouvertes. Donc, vas-y, rentre. Il est là tranquillement. Il dit, non, moi, attendez, laissez-moi. J'attends. Quand le mois va finir et puis votre paradis là va se fermer, là, moi, quand l'enfer va s'ouvrir, je vais rentrer là-bas. Moi, je préfère rentrer en enfer. En fait, il choisit de rentrer en enfer. C'est-à-dire, il choisit d'attendre. Les portes sont fermées actuellement, mais lui, il choisit d'attendre, quoi, tranquillement, hein, que le mois finit et qu'on réouvre les portes de l'enfer. Et puis, lui, hein, tranquillement. Subhanallah. C'est pourquoi le prophète, alayhi wa sallam, a dit, dans ma communauté, tous les membres de ma communauté sont destinés à rentrer au paradis, sauf celui qui refuse. Mais regardez ici, c'est quand même quelqu'un qui va refuser. Et donc, il ne s'arrête pas là. Parmi les mérites encore donc du mois de Ramadan, on continue encore. Il y a la nuit de Laylatul Qadr, comme je l'ai dit tantôt, qui se trouve dans les 10 dernières, parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. Et vous devez savoir que cette nuit est tellement spéciale. Dans le début de la révélation, Allah avait voulu, hein, donc quand Allah, dans le début de la prescription du mois de Ramadan, Allah avait voulu par sa miséricorde donner connaissance de ce jour-là à la communauté de Mohammed à travers son prophète. Il y a un jour, le prophète alayhi salatu wasalam qui s'est levé comme ça et parti à la mosquée. La mosquée Masjid al-Quba, la première mosquée donc, de l'islam. Allah lui avait donné la connaissance du jour J de Laylatul Qadr. C'est quand exactement que ce jour-là, cette nuit-là se situe dans le mois de Ramadan. Allah avait donné donc cette connaissance-là à son prophète alayhi salatu wasalam. Et le prophète, heureux, tellement content, partait révéler ce jour donc, à ses sahabas. Et lorsqu'il est rentré dans la mosquée, il a trouvé les sahabas, donc, hein, des sahabas en train de se chamailler, donc en train de se quereller. Le prophète qui va procéder à leur séparation et ensuite il va s'arrêter, il leur dit, je venais avec une bonne nouvelle à vous annoncer le jour J, donc de Laylatul Qadr, la nuit exacte de Laylatul Qadr. Quand est-ce que, hein, quelle était cette date réelle, la date réelle de cette nuit-là? Mais malheureusement, je suis venu vous trouver en train de vous quereller et juste après la querelle, Allah a enlevé cela en moi. Donc, cette connaissance est repartie auprès de mon Créateur, subhanallah. Et donc, il va nous exhorter en disant, mais cherchez-la durant les 10 dernières nuits de Ramadan et durant les nuits impaires. Cherchez-la durant les 10 dernières nuits de Ramadan et durant les nuits impaires. Donc, elle s'y trouve. Et ça encore, ça fait partie donc, de la grandeur du mois de Ramadan parce qu'il y a cette nuit-là qui est dans ce mois, qui n'existe dans aucun autre mois sur la terre et qui est mieux que 1000 mois d'adoration. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. C'est très important. Partagez le direct, mettez les cœurs. Si c'était un débat avec des chrétiens, on en serait déjà à près de 1000 et quelques personnes en ligne. Mais ici, chers frères et sœurs en islam, arrêtez d'aimer le spectacle avec les débats avec les pasteurs. Non, ici, on te parle de toi, ton salut. On te parle de ton salut à toi. On te parle de ton mois béni de Ramadan, le plus grand de tous les mois, la miséricorde infinie. C'est-à-dire que l'occasion pour toi de rentrer au paradis. Et vous voulez qu'on aille se mettre dans des histoires de débat ici, là? Non! Profite de ton mois de Ramadan. Profite de la spiritualité ici. Ok. Et donc, voici encore un autre grand mérite. Et encore parmi les mérites du mois de Ramadan, c'est que dans ce mois, Allah il dit « Sharu Ramadan lazi unzila fihi al-Qur'an » C'est durant ce mois de Ramadan qu'Allah a révélé, donc Allah a fait descendre le Coran. Et quand il dit que le Coran est descendu durant ce mois de Ramadan, il y a certains qui ne comprennent pas. Ils disent, mais le Coran est descendu, on dit, durant 23 ans. C'est pendant 23 ans que le Coran a été révélé un peu. Il y a quelqu'un qui dit encore, mais attends,
On dit le Coran est descendu durant le mois de Ramadan. Donc, du premier au dernier jour de Ramadan, pendant 30 jours, durant le mois de Ramadan. Il y en a qui disent encore, mais on dit le Coran est descendu une nuit. Durant la nuit de Laylatul Qadr. Mais on ne comprend pas. Le Coran est descendu quand alors? Ce n'est aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction ici. Quand on dit que le Coran est descendu durant la nuit de Laylatul Qadr, comme Allah le dit dans le Coran, Barouz Bilal Nashaitan Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Et nous l'avons fait descendre ce Coran durant la nuit de Laylatul Qadr. Dans d'autres versets, il va dire Inna anzalnahu fi Laylatin Mubarakatin. Et nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Donc ici, quand Allah dit, il a fait descendre le Coran durant cette nuit bénie, donc cette nuit donc de Laylatul Qadr, donc cette nuit de décret, cela voudrait dire le Coran dans son ensemble en entier est descendu des lieux, c'est-à-dire que des lieux élevés, des lieux donc où Allah l'avait placé, Allah l'a fait descendre à partir de ce lieu-là jusqu'à la demeure de la puissance qu'on appelle Baytul Izzah, au dernier ciel qui est en haut de nous ici, ou le premier ciel si vous voulez dire, si je peux dire. C'est-à-dire Allah a fait descendre le Coran des lieux les plus élevés dans les cieux jusqu'à la dernière demeure, c'est-à-dire à la demeure de la puissance qu'on appelle Baytul Izzah, donc ici dans le niveau du premier ciel que nous voyons là quand on lève la tête. Donc cette descente a été faite durant la nuit de Laylatul Qadr. Et du moment où le Coran est descendu pour arriver dans la demeure de la puissance à Baytul Izzah, le décret d'Allah était déjà, c'est-à-dire Allah avait déjà décrété qu'il serait révélé maintenant de façon graduelle durant 23 ans. Donc cette descente depuis les lieux élevés jusqu'à Baytul Izzah, cette descente-là, c'est de ça qu'Allah il parle dans le verset en disant c'est nous qui avions fait descendre le Coran durant la nuit de Laylatul Qadr. Pas descendre sur la terre, mais descendre des lieux les plus élevés jusqu'à la demeure de la puissance, au premier ciel ici qui est Baytul Izzah. Et c'est à partir maintenant de cette demeure-là que Jibril prenait le Coran verset par verset pour une de nos prophètes sur la terre, verset par verset durant 23 ans. Voici un peu l'explication. Donc, il n'y a point de contradiction ici. Donc, la descente du Coran durant le mois de Ramadan fait partie encore de la grandeur de ce mois. Vous voyez, le Coran est tellement grand, il est tellement immense, il est tellement valeureux qu'il n'y a aucun savant sur la terre qui peut parler de la grandeur du Coran jusqu'à la fin. Parce que c'est la parole d'Allah. S'il n'y a pas plus grand qu'Allah, alors il n'y a pas plus grand que sa parole. Et vous devez savoir quelque chose. Ce Coran, tout ce qu'il touche, il le rend meilleur. Subhanallah. Tout ce qu'il touche, il le rend meilleur par rapport à tous les autres, à toutes les autres choses de sa nature. Je prends un exemple. Le Coran était révélé en langue arabe. C'est ce qui a fait de la langue arabe la langue la plus importante que toutes les langues sur la terre. Le Coran a été révélé par qui? Allah est passé pour révéler le Coran au prophète Mohammed a.s. passé dans Jibril a.s. Cela a fait de lui le meilleur de tous les anges. Le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. Charou Ramadan, lesé unzila fihi le Coran. Le fait que le Coran ait été révélé durant le mois de Ramadan, cela a fait du mois de Ramadan le meilleur de tous les mois. Le Coran a été révélé sur la terre sainte de la Mecque. Et cela a fait de la Mecque la meilleure de toutes les cités. Le Coran a été révélé sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et cela a fait de lui la meilleure de toutes les créatures. Le Coran a été révélé à Mohammed pour qu'il la transmette à qui? Pour qu'il la donne à qui? À sa communauté. Et cela a fait de sa communauté la meilleure de toutes les communautés. On peut te citer comme ça, etc., etc. Le Coran, tout ce qu'il touche, il le rend meilleur par rapport à toutes les autres choses de la même nature. Subhanallah. Ça, c'est le Coran qui fait ça. Et donc, cela a fait du mois de Ramadan le meilleur de tous les mois. Et ce grand Coran qui a été révélé et par lequel le mois de Ramadan a été si grand, ce mois qui est l'anniversaire, qui nous enseigne l'anniversaire, c'est-à-dire qui nous rappelle l'anniversaire donc, de la descente du Coran. Et donc, c'est durant ce mois-là que nous devons aussi lire beaucoup le Coran. Parce que c'est dans ce mois que le Coran a été révélé. Donc, les mérites de lecture du Coran dans le mois de Ramadan sont plus grandes que par rapport aux autres mois. Celui qui lit le Coran dans le mois de Ramadan a plus de mérites que celui qui lit le Coran seulement que les autres mois en dehors du mois de Ramadan. Tous les actes d'adoration durant ce mois ont une valeur encore plus immense que les autres mois, subhanallah. Bien. Donc ici, pour continuer encore avec donc, les mérites donc, du mois de Ramadan, c'est qu'il y a encore un ange durant ce mois qui se tient avec la permission d'Allah au-dessus des créatures, des êtres humains et qui se met à crier à haute voix en disant ceci. Ô homme,
Oh, toi désireux du paradis. Il dit, réjouis-toi par la grâce d'Allah. Oh, toi désireux du paradis. Et qui est ce désireux du paradis? Toi, durant le mois du Ramadan, qui t'es repenti de tous tes péchés, qui a promis à Allah de ne plus jamais revenir sur ses péchés et qui a regretté tes actes immoraux avec sincérité. Et toi qui jeûnes avec la foi et la crainte et qui t'éloigne de tout ce qui est annulatif du jeûne, qui te consacre à l'adoration dans ce mois, c'est toi qui es ce désireux du paradis. Et cet ange-là, il crie en faveur de véritables croyants, ceux qui sont en jeûne avec sincérité. Il dit, oh vous, désireux du paradis, réjouissez-vous. C'est-à-dire, il t'annonce déjà la bonne nouvelle de ton salut alors que tu n'es pas encore mort, subhanallah. Chaque jeûneur, oh toi désireux du paradis, réjouis-toi. Et il dit, et celui du mal, éloigne-toi. Toi qui es désireux du mal, là, il te dit, éloigne-toi. C'est-à-dire, cet ange-là est là comme ça. Ça, c'est son travail jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Il ne fait que te rassurer de ton salut. Et il ne fait que mettre en garde celui qui est désireux du mal, en lui disant, éloigne-toi du mal, subhanallah. Et durant ce mois de Ramadan, c'est que chaque nuit, Allah fait descendre sur la terre plus de 600 000 anges pour faire des bénédictions à ceux qui ont jeûné la journée du Fajr jusqu'à la rupture, avec sincérité et en s'éloignant de tout péché, de tout mal, en préservant leur jeûne. Ceux-là, il y a 600 000 anges qui descendent chaque nuit pour prier rien qu'en faveur des jeûneurs. Subhanallah. Tout ça fait partie donc des mérites du mois béni, donc de Ramadan. Et le mois de Ramadan ne s'arrête pas là encore dans ses mérites. Durant les mérites encore du mois de Ramadan, c'est que ce mois est tellement grand et c'est un mois de victoire. Parce qu'à travers ce mois, Allah a donné beaucoup de grandes victoires aux croyants, aux musulmans. À travers ce mois, Allah a donné beaucoup de grandes victoires aux croyants. Il y a eu par exemple la bataille de Badr. C'est durant le mois de Ramadan qu'Allah a donné cette grande victoire aux musulmans sur les mécréants. Les grandes victoires des musulmans sur les mécréants, la plupart se sont faites durant le mois de Ramadan. J'ai dit bien, il y a eu la bataille de Badr, la bataille de Tabouk, la bataille de Kandak, la bataille de la conquête de la Mecque, hein, la libération de Jérusalem, etc. Toutes ces grandes batailles qu'on peut en citer plus, durant ce mois de Ramadan, Allah a donné la victoire aux croyants sur les mécréants. La preuve en est, dans ce mois de Ramadan, Allah donne la victoire aux croyants qui jeûnent dans l'adoration sur les mécréants, le diable et ses suppôts. Pendant qu'eux sont enchaînés, c'est nous qui sommes libres. Pendant que les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes pour les créatures. Donc dans ce mois, Allah a toujours donné la victoire aux croyants sur les mécréants. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, c'est dans ce mois. Mais pas avec des armes en main. Fléchis tes genoux. Prends le Coran. Fais des nawafil. Implore ton Seigneur. Jeûne dans ce mois avec sincérité, avec crainte. Fléchis les genoux. Présente tes... C'est-à-dire que tout ce que tu as comme problème, tes soucis, présente-les à Allah et Allah te donnera la victoire sur tes ennemis. Wallah. C'est le mois de la victoire où le croyant est toujours déçu de ses ennemis. C'est ce mois. Vous voyez les mérites du mois de Ramadan. Et encore, parmi les mérites donc du mois de Ramadan, nous avons les actes d'adoration, surrogatoire même. Ouais, un seul acte d'adoration surrogatoire, je prends un nawafil que tu as fait, c'est-à-dire une prière surrogatoire que tu as faite dans le mois de Ramadan, équivaut au mérite d'une prière obligatoire que tu as faite. Je répète, une prière surrogatoire durant le mois de Ramadan, les mérites équivalent au mérite d'une prière obligatoire, une farde. Je répète, un acte nawafil que tu as posé, un acte surrogatoire, une prière surrogatoire que tu as faite durant le mois de Ramadan, les mérites de cette prière-là équivalent au mérite d'une prière obligatoire. Maintenant, une prière obligatoire que tu fais dans le mois béni de Ramadan, une seule prière obligatoire dans le mois de Ramadan est multipliée à 70 prières obligatoires. C'est-à-dire, les mérites d'une seule prière obligatoire dans le mois de Ramadan sont multipliés à 70 fois. 70 prières obligatoires que tu auras faites, subhanallah. Regardez les mérites de ce mois béni de Ramadan, chers frères et sœurs. Encore, le mois béni de Ramadan. Les mérites encore. Allah, il dit, dans ce mois,
Nous devons être bienfaisants les uns envers les autres dans ce mois. C'est dans ce mois qu'il y a beaucoup de miséricorde. C'est dans ce mois qu'il y a beaucoup de partage. C'est dans ce mois qu'il y a beaucoup de pardon entre les créatures. C'est dans ce mois où il y a beaucoup de magnanimité. C'est-à-dire que les gens sont magnanimes, les gens sont doux, les gens sont aimables, ils sont aimants, etc., etc. Tout ça fait partie des mérites du mois de Ramadan. Et surtout, toi qui es l'employeur, les gens qui travaillent, tes employés qui travaillent pour toi, sois souple avec eux dans le mois de Ramadan. Celui qui est souple avec son employé et qui le décharge d'une grande partie de son fardeau, d'une grande partie de ses obligations dans ton entreprise, à cause de la grandeur du mois de Ramadan, s'il descendait à 18h, tu lui demandes de descendre à 16h pour pouvoir aller se préparer pour la rupture. Tu l'as déchargé de beaucoup de ses tâches. Toi qui es son employeur, à cause du mois de Ramadan, Allah il te pardonne tes péchés pour cela. Allah il te pardonne tes péchés pour cela, voilà. Toi qui as pitié de tes employés durant le mois de Ramadan, ou qui as ajouté un pourcentage sur les salaires dans le mois de Ramadan, pour dire, bon, à cause du mois de Ramadan, le salaire de ce mois-là, j'ajoute tel pourcentage dessus. Pour qu'Allah vous facilite, hein, à la fin du mois de Shaban, comme ça, tu augmentes leur salaire pour que durant le mois de Ramadan, Allah leur facilite donc hein, leurs petits besoins, etc., avec un peu de sous sur eux, donc la rupture, etc., et tout, hein, leur famille. Allah, il dit qu'il te pardonne tes péchés. Subhanallah. Juste pour cela. Et toi-même qui lui accorde le mois de Ramadan comme congé totalement, tu lui dis, repose-toi, c'est le mois de la pénitence, c'est le mois du pardon, le mois de la repentance, c'est le mois de l'adoration, c'est le mois de la spiritualité, le mois de la miséricorde, le mois de la bénédiction. Donc je t'accorde ce mois comme un mois de congé, va et adore ton Seigneur. Wallahi, Allah, il t'accorde son paradis pour cela. Qu'est-ce que vous attendez, chers frères et sœurs? Est-ce que l'obtention du paradis est difficile? Non. Mais pourquoi voulons-nous aller acheter l'enfer alors que le paradis nous est offert gratuitement par Allah et son messager? Et son messager qui nous annonce la bonne nouvelle du paradis à travers assez de hadiths et Allah à travers beaucoup de versets coraniques. Tout ça, toutes ces choses font partie des mérites donc du mois de Ramadan. Nous devons avoir pitié les uns des autres. Et maintenant, si on doit continuer sur les mérites du mois de Ramadan, on ne va pas quitter ici, on ne va pas pouvoir commencer le tafsir même. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais maintenant sur quelques mérites donc du jeûne maintenant. Ça, c'était des mérites du mois. On va sur quelques mérites du jeûne lui-même. Le jeûne, les mérites du jeûne sont à part. Les mérites du mois donc sont à part. Maintenant, concernant le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, un seul jour que tu as jeûné, je dis bien un seul jour que tu as jeûné rien que pour la face d'Allah, avec crainte et foi, en t'éloignant de tout ce qui est annulatif du jeûne et tout ce qui est péché, un seul jour de jeûne t'éloigne du feu de l'enfer de 70 ans parcourus. D'un parcours de 70 ans. Tu es éloigné du feu de l'enfer d'une distance parcourue pendant 70 ans pour un seul jour de jeûne. Ça, c'est le jeûne maintenant, les mérites du jeûne. Toi qui as jeûné un seul jour, tu es éloigné du feu de l'enfer d'une distance parcourue pendant 70 années. Imaginez-vous, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, durant 70 années. Subhanallah. Et ça, c'est les années auprès d'Allah. Et vous savez, 1 an chez nous, ça fait combien auprès d'Allah? Allah a dit, « Inna yawman indallahi ke alfisan natimi mata'udun. » Une journée auprès d'Allah équivaut à 1000 ans chez vous. Je répète, une journée auprès d'Allah équivaut à 1000 ans chez vous. C'est comme de l'an 1 à l'an 2000, ça fait 2 jours chez Allah. Ça fait 2000 ans chez nous, mais ça fait 2 jours seulement chez Allah. 2 jours chez Allah. Hein. Alors chez nous, ça fait 2000 ans. Imaginez maintenant les 70 ans de chez Allah. C'est cette distance qui est entre toi et le feu de l'enfer. Pour un seul jour de jeûne que tu as jeûné, subhanallah. Qu'attendez-vous? Et durant, malgré tous ces mérites-là, tu vois des gens qui sont là, des gaillards, d'après eux, les vieux pères, les doyens du quartier, les gros bras qui se jouent, les doyens qui sont là, quand ils marchent, ils remplissent toute la voie comme ça, là. Quand ils marchent, on dirait que la voiture ne va même plus passer à gauche ou à droite sur l'autoroute.
Mais quand le mois de Ramadan arrive, il n'est pas capable, avec toute cette force-là, de jeûner un seul jour pour Allah. Quand tu vois la faim en train de le terrasser, toi-même, tu es déçu. Subhanallah. Dans tout ça, il y a des gens qui ne vont pas jeûner pour Allah. Il y a des gens qui ne sont pas malades, qui se sont inventés des maladies. C'est là que l'ulcère de tout le monde a commencé. Tension de tout le monde est venue. Diabète de tout le monde. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Palu. Toutes sortes de maladies existent durant le mois de Ramadan. Avec tous ces péchés que tu as commis pendant 11 mois, Allah il t'offre 30 jours, un seul mois seulement pour pardonner les péchés de 11 mois. Aïe! Regardez l'immensité, la grandeur de la miséricorde d'Allah. Que voulez-vous, mes frères et sœurs? Qu'attendez-vous d'Allah? Qu'attendez-vous? Si après tout ça, Allah va te mettre en enfer, Allah serait-il injuste encore? Pendant 11 mois, vous voyez, quand Shaitan est enchaîné, il pleure. Il pleure surtout quand le mois de Ramadan tend à sa fin. Subhanallah. Shaitan ne fait que pleurer durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et ces petits démons qui sont enchaînés avec lui lui demandent, mais tu pleures pourquoi, chef? Il dit, mais regardez, moi j'ai utilisé toutes mes forces. Hein? Tous mes plans. J'ai mis tout en œuvre pour égarer hein, les êtres humains, pour les induire en erreur. Je les ai mis dans la fornication. Je les ai mis dans le vol, dans le meurtre, hein, dans l'adultère, dans la fornication. Je les ai mis dans toutes sortes de péchés où j'étais satisfait que je les ai égarés. Voilà le mois de Ramadan qui ouvre ses portes, durant lequel Allah pardonne à tous les péchés qu'ils ont commis pendant 11 mois. C'est comme si le travail que j'ai fait pour les égarer pendant 11 mois est zéro parce qu'Allah leur a accordé son pardon durant un mois. Et Shaitan est malade dans son être. Mais tu sais quoi? C'est que les petits démons qui sont avec lui lui disent, si c'est pour ça, ne te lamente pas. Compte sur nous, nous sommes tes bons petits. Juste après le mois de Ramadan, le lendemain même, c'est-à-dire le jour de l'Aïd, le lendemain du Ramadan, le jour de l'Aïd, Aïd el-Fitr, et dit ce jour-là, à 90%, on va les ramener dans le péché. Et c'est ce que nous voyons malheureusement aujourd'hui. Pendant Ramadan, il dit à sa copine, il dit, ah, c'est le mois, hein, on peut rien faire, hein, il faut qu'on se laisse. Hein. Moi, je dois me consacrer au jeûne, ma religion m'interdit tout ça. Hein, c'est le mois de Ramadan. Mais le jour de l'Aïd, le jour de la fête, il a réservé une chambre d'hôtel. La veille de Ramadan, il dit, bon, demain, on se trouve à l'hôtel. C'est-à-dire, les 30 jours manqués là, ces rattrapages là, il va les faire. Hein? Pendant que sa propre femme est à la maison souvent. Subhanallah. Ceux qui étaient dans le faux ken, le vol, le mensonge, la fornication, chacun va retomber dedans. Ramadan est fini. Anouali. Et puis, là même, ça devient. Parce que ça, c'est ce rattrapage. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on a à ne pas aller vers le pardon et la miséricorde de notre Créateur? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Pendant 30 jours. 30 jours seulement, tu as mangé pendant 11 mois, tu as bu l'eau pendant 11 mois. On te demande de sacrifier 30 jours, tu ne peux pas. Et il y a encore des pères de famille qui sont, c'est-à-dire que, qui sont là, lui et les musulmans, hein, ils se lèvent et puis ils jeûnent. Mais c'est lui qui dit à ses enfants, ah, bon, vous qui ne pouvez pas jeûner là, voici votre hein, prix de popote, allez-y, achetez quelque chose à manger. C'est toi-même qui exhortes ta famille, une partie de tes... Subhanallah. C'est des pères de famille hein, qui enlèvent l'argent pour donner à ses enfants. Des gros gaillards à la maison pubère, des gros. C'est-à-dire des. Je ne sais même pas comment les qualifier. Quand tu les vois, leur gabarit. Hein? Cette fille, tu vois là, grand détail, en forme, bien truc là. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, des gaillards comme ça qui sont à la maison. Des vieilles mères qui sont là comme ça. Et tu es capable encore d'enlever plus de pouvoir pour leur donner comme ils ne gênent pas nos camarades. Des pères de famille qui font ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toi. Ta dénomination là, toi tu es un daïouche. C'est-à-dire que quelqu'un, sa présence est égale à son absence. Son vivant est égal à son cadavre. Parce que ce que tes enfants doivent faire après ta mort à la maison, délaisser le chemin d'Allah après ta mort là. Toi de ton vivant, c'est toi-même qui les encourages dedans. C'est toi-même qui les soutiens dedans. De ton vivant, durant le mois de Ramadan, pour regarder mèche sur la tête de ta fille, jusqu'au. Ça lui tombe jusqu'à sur les fesses. Hein? Les mèches. Pantalon, collant, mini-jupe. C'est pas possible. Habillement, on ne peut pas regarder.
Hein? Le haut même là, c'est soutien seulement à la côté, il n'y a plus rien. Le dos, devant, tout est derrière. De ton vivant, surtout dans le mois encore sacré de Ramadan, elle s'habille comme ça et puis elle sort devant le vieux. Lui-même, il est couché dans un mac là comme ça, dans la courbe, dans une chaise royale, il est là comme ça, et puis il regarde tranquillement sa fille qui vient lui dire, papa, j'arrive, il dit ok. Et puis elle est là tranquillement. C'est de ton vivant, ce qui doit être fait dans ta cour, les pratiques de tes enfants qui doivent se manifester après ta mort là. De ton vivant, c'est ce qui est fait. Ton fils va quitter avec sa copine en ville, venir marcher, te voir assis, te saluer, rentrer dans la chambre avec elle, devant toi, de ton vivant dans ta cour. Mon frère, le vieux, ton cadavre là et ton vivant là, c'est la même chose. Ton absence est égale à ta présence, comme ta présence est égale à ton absence. C'est très mieux pour toi-même que tu mourrais. Toi, on t'appelle Dayush. C'est le jour de Yawm al-Qiyama, c'est l'enfer. Parce qu'Allah il dit, « Badaouz bilayim na shaitan rajim, ya ayyuhal lazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar. » Il dit, « Oh, vous qui croyez, craignez Allah et vous, craignez Allah de sorte à détourner votre être, votre personne de l'enfer et aussi détourner votre famille de l'enfer. Protégez-vous contre l'enfer et protégez votre famille de l'enfer. Éloignez-vous de l'enfer et éloignez votre famille de l'enfer. » Donc toi, tu jeûnes, tu t'éloignes de l'enfer et tu laisses tes enfants dedans. Ça veut dire quoi? Et c'est grave. Souvent, tu vois certains de nos parents, même quand ils vont à la Mecque, là, quand ils reviennent là, « Ah oui, nous étions à la Mecque, alhamdoulilah. » Oui, on a fait Mina, on a fait Moujdalifa, on a fait Arafat, alhamdoulilah. Eh, on allait, on a lapidé le shaitan, on a fait ceci. Toi, tu allais lapider le shaitan. On t'a dit le shaitan est arrêté là-bas et il t'attend. Tu allais le lapider, il est arrêté là-bas comme ça. Tu es en train de commémorer les actions de Seyyidina Ibrahim et son fils Ismaël dans ces parages-là. C'est juste une imitation de Seyyidina Ismaël, alayhi salam, lorsqu'il a lapidé le shaitan trois fois, dans trois endroits. C'est pas que shaitan est arrêté là-bas. Il y en a qui décrivent même, tu as dit, il le voyait et puis il l'a eu même par la tête. Il y en a même qui décrivent comme si, quand il a lancé sa pièce, il allait prendre Shaitan directement même sur les yeux. Aïe, c'est quelle histoire ça? Tu ne sais pas que toi, chez toi, la Shaitan que tu crois aller lapider à la Mecque là, tu ne sais pas que tu dors avec Shaitan chez toi à la maison. Hein? Ta femme claire, bien en forme, grande détail, que donc tu as lutté même parmi tes amis du quartier, et puis c'est toi tu as pu la marier, tu l'aimes tant. De peur même de la perdre là, tu n'arrives pas à l'exhorter, à prier, à gêner. Elle ne fait rien dans l'adoration, elle ne prie pas, elle ne fait rien dans la religion. Cette femme, Geneva Claire que tu aimes comme ça, Rukia Claire que tu aimes comme ça là, tu ne sais pas que c'est Shaitan qui dort près de toi comme ça. Et puis toi, tu es lapidé Shaitan à la Mecque. Hein? Ton fils Madou Gaya qui est là, là qui se réveille ici à 9h-10h, il n'a pas prié Fadj. Il ne prend même pas bouillon, hein, c'est gobelet, il prend pour aller lapider, laver son visage là. Tu ne sais pas que Shaitan, tu dis, tu allais lapider à la Mecque là. C'est lui-là, tu devais lapider ici. Toi-même, tu ne peux pas exhorter ta famille à pratiquer la religion. Tu peux le faire et puis ils vont refuser. Ça arrive. Il y a des parents qui ont fait tout pour que les enfants soient guidés. Mais bon, Allah, Alam, c'est Allah qui sait. Mais au moins, tu as fait ton effort. Mais quand toi-même, tu es là et puis c'est toi qui les encourages dedans. Subhanallah. Dans ce grand mois béni de Ramadan, pendant que Allah, lui, il a pris soin d'enchaîner le démon, il se suppose, tous ces bons petits, les diables, il les a tous enchaînés. Ceux que lui, il a créé, tous ces diables-là, il les a tous enchaînés. Toi, tu as pour toi à la maison, tu n'as pas enchaîné ton gaillard de fils là, ta gaillarde de fille qui est là, là, qui ne gêne pas, qui sont dans les turpitudes, dans tout ce qui est acte immoré, désavouable dans ce grand mois là. Tu n'as pas pu les enchaîner. Tu n'as pas pu les exhorter. C'est toi qui les encourages. Et donc, le jeûne est tellement important. Un seul jour de jeûne que tu as jeûné, t'es loin de l'enfer, d'une distance parcourue pendant 70 ans. Subhanallah. Hein? Et donc, encore une autre importance, c'est que le prophète alayhi salatu wasalam dit, celui qui jeûne un seul jour de mois de Ramadan, dans le mois de Ramadan, un seul jour, quand Allah exauce, cela pardonne tous tes péchés de un an que tu as commis, de l'année qui précède. C'est-à-dire l'intervalle entre les deux Ramadans. Du Ramadan passé à ce Ramadan, tous les péchés que tu as commis dedans, Allah te pardonne tous ces péchés-là pour un seul jour de jeûne que tu as jeûné avec crainte et foi. Allah te loin de l'enfer. Et il te pardonne encore les péchés de un an. Subhanallah. Qu'est-ce que vous attendez, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on attend? Encore les mérites de ce mois de Ramadan, tellement Allah aime le jeûne et le jeûneur, ça fait que quand tu jeûnes là, vous savez, souvent il y a des odeurs gastriques qui remontent dans la bouche.
quand on n'a pas mangé longtemps, voilà, quand on a bu aucune boisson, on a mis aucune nourriture dans l'estomac, il y a une odeur un gastrique qui ressort, que l'estomac dégage là, qui ressort dans la bouche. Généralement, ça ne donne pas bonne haleine aux jeûneurs. Ce qui est naturel, souvent. C'est tous ceux qui ont l'ulcère là. Ils ont ce problème avec des odeurs bizarres là, avec tous ceux qui ont l'ulcère. Mais Allah il dit, l'odeur de la bouche du jeûneur auprès d'Allah, c'est comme le parfum qu'on appelle musc. C'est un parfum du paradis. Il n'y a pas une odeur plus adorante. Oh, subhanallah. Il n'y a pas une odeur plus chic. Il n'y en a pas plus, une odeur plus que le musc, il n'y en a pas. Plus bonne que le musc, il n'y en a pas. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, cette odeur qui sort de la bouche du jeûneur, c'est comme cette odeur qui sort de sa bouche, elle est auprès d'Allah comme l'odeur du musc, le parfum musc, le parfum du paradis. Mais aussi, les gars, pardonnez, n'abusons pas. C'est de ça qu'il s'agit. Le fait qu'on a dit ça, depuis que ce hadith-là, on a commencé à lire, j'ai vu des gens. Lui, il ne fait même pas effort même pour laver encore sa bouche. N'oubliez pas qu'il y a aussi des hadiths du prophète où il conseille beaucoup le siwak. Hein. Mais dans le siwak, dans le mois de Ramadan, il ne faudrait pas qu'il soit sec, le cure-dent. Et qu'il soit frais, le cure-dent. Il faut qu'il soit un cure-dent sec. Il faut faire usage du cure-dent, c'est très important. Même la brosse à dents n'est pas interdite. Mais elle est risquée. Mais la pâte que tu mets une petite quantité, tu te brosses de sorte à ne avaler ni aucune eau, ni, comment on appelle, la pâte, ni la mousse, etc. Quand rien n'est descendu dans la gorge pour atteindre le ventre, il n'y a pas de problème. Les savants disent, si tu peux te brosser de sorte que rien ne descend à l'intérieur, ça n'annule pas le jeûne. Ah, mais quand on dit l'odeur de la bouche du jeûneur auprès d'Allah est comme le musc là. Y a des gens même qui voyagent dans le car, tu ne peux pas t'asseoir à côté de lui. Même si quelqu'un. Tu crains même, faut pas, il va ouvrir la bouche pour te saluer. Faut pas, quelqu'un va appeler sur son téléphone et puis va décrocher à côté de toi. Dès qu'il dit allô, c'est comme si ces cartons de Soumara, ils ont ouvert. Pour ceux qui connaissent Soumara là, les graines de Néré là, on fait ça d'une manière Soumara. Magie des Africains. Ça dit que le gars, il se brosse pas. Toutes ses dents sont jaunes. C'est pas possible. Le musulman, c'est l'hygiène, c'est la propriété, mon frère. Fais usage du siwak sec durant le jeûne. Nettoie-toi la bouche, tout ça là, il faut arranger des dents. Prends soin de ta bouche là. Même si on dit, faut pas abuser. Donc tout ça fait partie des mérites donc du mois de Ramadan, Inch'Allah. Bien. Et on continue encore. Il y a une porte du paradis qui est spécialement pour ceux qui jeûnent. Ça fait partie des mérites du jeûne. Hein? La porte Raihan, c'est une porte rien que pour les jeûneurs. C'est ceux-là seulement qui passeront par cette porte du paradis. Waouh, la meilleure des portes. Seulement que les jeûneurs qui vont passer. Et dès que le dernier des jeûneurs, le jour de Yawm al-Qiyamah, traverse cette porte nette, elle est fermée, elle ne s'ouvrira plus jamais. Elle est accordée seulement que aux jeûneurs. Ah, mais ce paradis-là, il est chic. Subhanallah. C'est seulement que pour les jeûneurs. Et encore, durant les mérites encore du jeûne, c'est que le prophète a encore dit. Celui qui donne la rupture à un jeûneur, c'est-à-dire tu lui donnes quelque chose pour rompre son jeûne, tu lui as donné la rupture de son jeûne, Allah il te pardonne tous tes péchés pour cela. Au point où les sahabas même sont allés demander au prophète, alayhi salatu wassalam, mais et nous qui n'avons pas les moyens pour. Il dit non, quand je parle de donner la rupture, là, ce n'est pas donner une grande quantité de nourriture, non, ne serait-ce qu'une seule date. Que tu as donné à quelqu'un avec l'intention qu'il puisse rompre son jeûne, rien que pour la face d'Allah, à cause de cet acte-là, Allah pardonne tous tes péchés. C'est le mois-là. Vous devez donner la rupture, fisabilillah, aux démunis, aux pauvres, aux mendiants. Soutenez les gens, ceux qui ont la vie difficile, ceux qui survivent et qui ne vivent pas comme vous. Aidez-les. Donnez-les, donnez pour recevoir. C'est le mois du bonus. Je dis bien, c'est le mois du bonus où tout est multiplié. Soutenez-les. Aidez les pauvres. Bi-iznillah, à cause d'Allah. S'il vous plaît. Partagez dans ce mois. Ce que Allah t'a facilité, partage avec ton voisin. Toi, tu as eu le suhoor en quantité. Tu manges bien avec ta famille. Pendant que ton voisin est là, il est assis avec sa famille. Il n'y a rien à manger, c'est l'eau, ils vont boire. Et mon frère, est-ce que tu es un véritable croyant? Tu as eu la rupture. Quand on rentre chez toi, la table est bien garnie.
Ça dit qu'il y a les pommes, les jus de raisin, les jus d'ana... ça dit que d'orange, les jus d'ananas. Il y a ici les légumes qui sont là, la salade, carottes, concombres. Il y a le riz gras qui est là. Il y a toutes sortes. Ça dit que quand tu rentres là, tu ne sais même plus ce que tu as mangé. Mais chez son voisin, juste à côté là, c'est bouillie de riz ou bouillie de maïs. Ils vont boire pour rompre le jeûne. C'est du tout. Mon frère, durant ce mois-là, sois miséricordieux. Partage. S'il te plaît, partage. Donc, voici encore un autre mérite du mois du Ramadan. Le fait de partager, d'aider. Tu donnes ne serait-ce qu'une seule date à quelqu'un pour rompre son jeûne. Rien que pour la face d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, Allah, il te pardonne tes péchés. Subhanallah. Regardez la miséricorde d'Allah. Et encore, le jeûne encore est un moyen pour améliorer la santé. Le mois du Ramadan, le jeûne, quand tu jeûnes là, c'est très bon pour la santé et c'est prouvé dans la médecine aujourd'hui. C'est-à-dire, il a son importance sur le plan économique. C'est-à-dire, ton économie, la gestion de ton argent dans le mois de Ramadan, tu ne dépenses pas n'importe comment et tout est bien structuré. Donc, ça t'aide. Mais il y a des gens, malheureusement, hein, c'est Ramadan même qui vient les faucher. Alors que c'est Ramadan qui devait te construire dans ta gestion des biens. C'est Ramadan qui devait te sauver dans tes dépenses. Mais ils ne savent pas que le mois de Ramadan nous a été donné rien que pour, c'est-à-dire pour vivre une spiritualité intense. Prier, c'est un mois d'adoration. Hein, te consacrer à Allah. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Le monsieur là, c'est dans le mois de Ramadan, il se crée même toutes sortes de maladies. Tout ce qu'il n'a pas mangé depuis matin, midi jusqu'au soir là. Et tout ça est rattrapé lors de la rupture. Il y a riz gras qui est ici. Il y a riz sauce qui est là-bas. Il y a igname ici. Il y a ragoût là-bas. Il y a okidenou ici. Il y a toutes sortes de nourritures. Quand tu vas aller dans le domaine des boissons, oh, c'est pas possible. Mais attendez, c'est quoi? On te dit c'est le mois de spiritualité, le mois d'adoration, tu dois te consacrer à Allah. Hey, toi, c'est rattrapage de nourriture, quoi. Non, ce n'est pas encore le paradis sur terre, s'il te plaît. Mais je ne te demande pas si tu as les moyens de bien manger, de ne pas bien manger, mange bien. Mais c'est pour te dire, logiquement, le mois de Ramadan est venu t'aider et non t'amener à te détruire. Parce que toutes ces choses, tu vois, la rupture, elle est là, il prend Bissab ici, il boit un peu de Yamakou ici, un peu de jus de raisin ici, après, tu vas te rendre malade. La médecine même déconseille ça. Il est tellement gourmand derrière la nourriture, à la rupture, ce n'est pas possible. Allez doucement. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui vient nous aider. Donc, c'est un mois économiquement qui vient nous aider, au niveau de la santé qui vient nous aider. Ne vous rendez pas malade, s'il vous plaît. Et donc, chers frères et sœurs, on continue. Donc, le mois de Ramadan est venu pour nous éduquer. C'est un mois d'éducation. Vous voyez? C'est un mois qui est venu nous éduquer. Excusez une minute. Bien, donc je disais, c'est un mois qui est venu nous éduquer. Et cette éducation, après le mois de Ramadan, doit continuer. Ce caractère qu'on va adopter là durant le mois de Ramadan doit continuer jusqu'après le mois de Ramadan. Et donc, le prophète sallam nous dit, celui qui jeûne, qu'il s'éloigne de tout ce qui est injure. Vous voyez, c'est l'éducation qui commence déjà. Tout ce qui est parole, c'est-à-dire qui est insensé. Paroles blessantes, injurieuses. Toutes ces paroles, tu dois t'en éloigner. Vous voyez? Donc, il dit, les injures, tu t'en éloignes. Il ne doit pas crier n'importe comment pour déranger les gens, etc. Il ne doit pas bagarrer. Il ne doit pas être insolent. Vous voyez? Et lorsque quelqu'un t'adresse des injures ou des propos hein, injurieux, te lance des sobriquets, réponds tout simplement avec la paix en lui disant, je jeûne. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Regardez cette éducation-là que le mois de Ramadan est censé nous donner. Quand tu jeûnes, ça fait partie des conditions de validité du jeûne. Tu jeûnes et puis tu insultes là. Tu perds les mérites de ton jeûne. Donc c'est imposé. Tu es obligé de te soumettre à ça si tu veux que ton jeûne soit valide. Donc regarde, ça devient une éducation pour toi. Pendant 30 jours,
tu as appris à ne pas insulter. Quand tu es insulté, tu as appris à ne pas répondre par des injures. Ça dit que ça déjà, ça cultive déjà ta patience. Ça te forme déjà à te maîtriser. La maîtrise de soi. Ça fait un. Parce que quand tu penses, depuis le matin, je me suis abstenu de manger, de boire. J'ai supporté tout ça jusqu'à 16h, 17h. Et c'est là que quelqu'un est venu me manquer de respect et m'insulter. Tu as deux possibilités. Je l'insulte et puis je perds les mérites de mon jeûne. Mais quand il regarde, c'est depuis le matin, tout ce qu'il a traversé jusqu'à... Il reste une heure et puis il rompt le jeûne. Il l'a insulté pour perdre ça, quoi. Non, c'est bon. Tiens, Allah, il dit de ne pas lui insulter et puis je vais avoir le paradis. Attends, et puis tous mes péchés de l'année dernière seront pardonnés. Si Allah a exaucé mon mois de Ramadan. Attends, j'ai détruit toute cette miséricorde-là à cause d'un jus de lui-là, quoi. Non, c'est bon. Ouais, ça t'éduque. Ça t'éloigne des injures, de la provocation, de l'insolence, hein, de l'orgueil, de la prétention. Ça t'éloigne de toutes ces mauvaises qualités-là, de tous ces mauvais comportements, de tout ce qui est bagarre. Ça t'éduque parce que tu sais que si tu t'adonnes à ça, tu perds ton jeûne et les mérites de ton moi. Donc, tu vois, tu es d'un cadre où tu es patient, où tu te maîtrises, où tu te contiens dans ta colère, etc., etc. C'est une éducation que le mois de Ramadan vient te donner, subhanallah. Pendant 30 jours, tu as pu t'éduquer comme ça. Tu as pu, c'est-à-dire, cultiver ta patience, ton pardon, hein, ta maîtrise de soi. Après le mois de Ramadan, ça veut dire que tu peux continuer comme ça. Si tu as pu faire ça pendant 30 jours, c'est que tu peux continuer comme ça, alhamdoulilah. Et encore, durant ce mois de Ramadan, l'éducation continue encore sur quel plan? C'est-à-dire, un, tu laisses ta nourriture. Toi-même, tu as travaillé de façon licite, hein, à la sueur de ton front. Tu as pris ton sac de riz, tu as mis dans la maison. Tu as travaillé à la sueur de ton front. Tu as cherché l'électricité pour mettre dans ta maison. Tu as cherché le congélateur, tu as mis, tu as branché. Tu as payé l'eau avec la société pour venir mettre à la maison. Tu remplis tes bidons, tu mets dans ton congélateur. Tu as l'eau fraîche chez toi. Tu rentres dans la cuisine. Tu vois ton congélateur, les jus de fruits glacés, les jus de pommes glacés, hein, l'eau bien fraîche, et puis il fait chaud, et puis tu es en jeûne. Quand tu ouvres et puis tu regardes l'intérieur comme ça, là, tu vois toi-même, tu fais un léger sourire, et puis tu te dis dans ton cœur, ah, ouais, c'est pas facile. Hein. Et toi-même, tu te dis ça, c'est pas facile. Hein. Mais à cause d'Allah, je laisse. C'est-à-dire, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. Si tu bois là, la personne ne va te demander. Tu n'iras pas en justice. Personne ne va dire pourquoi tu as ouvert mon frigo. C'est pour toi. Mais tu n'as pas cœur. Durant la journée de Ramadan, tu n'as pas cœur. C'est pour toi, non? Mais il faut toucher. Regarde, c'est Allah. Ça, c'est Allah qui fait ça. Tu ne le vois pas, non? Mais toi-même, tu sais que c'est gare à toi. Tu regardes dans la maison, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas ton enfant, il n'y a pas ton voisin. Personne ne te voit. Et puis, tu te dis, tiens, c'est Allah qui me voit. Et puis, tu laisses. Il y a l'éducation. C'est pas volé, hein, c'est pour toi. Mais il te dit, gare à toi. Il y a ta femme que tu as mariée. Tout le monde est témoin dans la ville que c'est ta femme. C'est pas ta maîtresse, c'est pas ta copine, c'est pas adultère, c'est pas fornication. Son papa, sa maman savent qu'elle est chez toi là-bas. Elle est chez toi durant la journée du mois de Ramadan. Tu es assis là, tu la regardes, tu as envie d'elle, gare à toi. Faut la toucher. C'est pas ta copine, hein. Elle t'est licite, c'est ta femme. Tu l'as mariée légitimement, officiellement. Mais Allah, il dit, gare à toi si tu l'as touchée durant la journée du jeûne. Gare à toi. Tu vois, il y a de l'éducation. Maintenant, la question qu'on va se poser, si pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, jusqu'à 30 jours, tu as pu laisser ta propre nourriture licite que tu as acheté à la sueur de ton front, ta propre boisson licite que tu as acheté à la sueur de ton front, tu as pu laisser ça par crainte pour Allah pendant 30 jours. Après le mois de Ramadan, est-ce que toi, tu vas aller chercher encore l'illicite pour te nourrir? Si tu as pu laisser ce qui était licite à la sueur de ton front, ce que tu as acheté, ta propriété, tu as pu laisser ça rien que par crainte pour Allah. C'est pour autrui, tu vas les détourner encore pour te nourrir. Vous voyez l'éducation que le Ramadan nous donne.
ta propre femme que tu as mariée de façon licite, officiellement devant Dieu et les hommes, et puis tu as pu la laisser pendant 30 jours, tu ne l'as pas touchée durant la journée du mois de Ramadan. Tu vois ta femme dans ta propre maison, vous êtes deux assis là, tu as envie d'elle, tu la regardes et puis tu crains Allah, tu ne la touches pas. Pendant un jour, deux jours, pendant 30 journées de Ramadan. Après Ramadan là, les femmes d'autrui, tu vas les détourner encore. Toi qui as pu craindre Dieu pour laisser la tienne, par crainte pour Allah, dans ta maison, tu l'as laissé. Tu as craint Allah malgré son envie, tu l'as laissé durant les journées de Ramadan. Pendant 30 jours. Avec cette même crainte d'Allah là, tu vas aller chercher encore la femme d'autrui après Ramadan qui ne t'appartient pas. Regardez l'éducation que le mois de Ramadan nous donne. Regardez l'éducation. Tu t'es éloigné du haram pendant 30 jours. Après Ramadan, tu vas aller encore tomber dedans. Et encore l'éducation que le mois de Ramadan donne. C'est que le mois de Ramadan éduque les riches. Et le mois de Ramadan amène les riches à vivre la vie des pauvres. Il y a des gens dans leur quotidien, sur 30 jours, là, eux vivent dans la faim, tellement ils sont démunis, ils n'ont rien pour manger ces problèmes. Il y a des gens, des pères de famille qui sont là avec leurs familles et leurs enfants, depuis le matin, ils n'ont rien mis dans la bouche. Ils sont là toute la journée dans la faim. Pendant que chez toi, le riche, ta table est toujours garnie. Le frigo, le congélateur rempli de toutes sortes de fruits que tu veux. Les boissons, tout. Mais le pauvre est là. Pendant 12 mois, il n'a rien à manger. Allah, il dit, durant le mois de Ramadan, là, toi aisé, toi l'homme nanti, toi riche, tu vas vivre la vie du pauvre. Du matin jusqu'au soir, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Ton frigo est rempli, non, tu ne toucheras rien. Ta cuisine est remplie de bonne nourriture, tu ne mangeras pas durant toute une journée. Quand tu vas goûter ce qu'on appelle la faim, ce qu'on appelle la soif, après le mois de Ramadan, quand un pauvre vient te dire « j'ai faim », tu sais ce qu'on appelle la faim. Quand il vient te dire « j'ai soif », toi-même tu sais ce qu'on appelle la soif. Tu es comment là, tu vas lui donner quelque chose, va manger. Parce que tu sais ce que tu as vécu dans Ramadan. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une éducation pour tous. Une éducation pour tous. Donc, voici un peu les mérites qu'on a donnés sur le mois de Ramadan, les mérites qu'on a donnés sur le jeûne en lui-même, et encore, donc, quelques détails qu'on a donnés sur l'éducation que le mois de Ramadan vient nous apporter. Et maintenant, nous pouvons rentrer un peu dans le Coran. On a déjà atteint les 1 heure de temps. Alors que dans le tafsir, là, je ne voulais pas dépasser 1 heure de temps. Vu que depuis hier, je vous ai dit que la santé n'est pas trop ça. Mais on va vous donner quelques versets coraniques, Inch'Allah. Et demain, on rentre dans le Coran directement, Inch'Allah. Sachez que je n'ai pas détaillé tous les mérites du mois de Ramadan. Parce que si on doit terminer, on doit continuer dans ça. On va terminer le mois de Ramadan sur ça. On ne va même pas pouvoir rentrer dans le Coran. Or, l'objectif, c'est de faire l'exégèse du Coran, le tafsir. Donc, on va aller un peu rapidement. Voilà. Et même les mérites du jeûne, l'éducation du mois de Ramadan, on n'est pas rentré dans trop les détails. Vous savez, dans la sourate 2, verset 183, Allah il dit, « Bada uzubillahi minashaytan rajim, bismillahir rahmanir rahim. » Il dit, « Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala allazina min qabilikum la'allakum tattaqoun. » Il dit, « Ho croyant, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, les peuples qui sont passés avant vous, afin que vous manifestiez votre piété, ou afin que vous craigniez Dieu. » C'est un grand verset. Allah dit, ô croyants, ô vous qui croyez, le jeûne du mois de Ramadan vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous craigniez Allah ou afin que vous manifestiez votre piété. Bien. Et donc, chers frères et sœurs, avec toutes les importances du mois de Ramadan que nous avons donné, le mois du partage, le mois de la miséricorde, le mois des dons,
Le mois de la pitié, c'est ce mois-là. Soutenez, partagez, aidez afin d'obtenir l'agrément d'Allah. C'est un mois dans lequel on ne doit pas s'amuser. Alors, je vous rappelle ici une fois de plus, chers frères et sœurs, je vous rappelle une fois de plus pour vous dire que la DDR a lancé le projet de construction de son centre, le complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Et vous devriez savoir que ce complexe que la DDR a décidé de construire n'est pas la résidence privée de l'un des membres de la DDR. Ce n'est ni la maison d'Oussaz Diané, ni la maison familiale d'Oussaz Ismaël Aka, ni la maison familiale d'Oussaz Ouattara Ibrahim. Ce n'est pas la maison privée de quelqu'un parmi nous. Je répète, c'est un centre pour l'encadrement des gens qu'on a convertis par la grâce d'Allah, avec la permission d'Allah à l'islam. La DDR, je répète, compte aujourd'hui ce qu'on a pu répertorier, près de 2000 convertis répartis sur des plateformes, des groupes de WhatsApp en ligne où on n'arrive pas à bien les former, où ils n'ont pas tous les moyens d'avoir des téléphones Android, où ils n'ont pas tous les moyens d'avoir la connexion, toujours pas aller faire les cours là-bas, etc. On a décidé de construire un centre physique. Un, il y aura un compartiment là-bas pour encadrer les convertis. Un autre pour une école coranique, un autre pour une école franco-arabe, un autre donc pour l'encadrement des enfants donc qui la majorité sont orphelins, ou les enfants donc aujourd'hui qui sont en conflit contre la loi, donc qu'on appelle chez nous ici par exemple les microbes, les enfants de rue, etc. Donc essayer de réinsérer ceux-là, aider l'État à les réinsérer, donc les réinsertions, les former, leur donner un but dans la vie, etc. Ce centre a beaucoup, beaucoup d'objectifs et beaucoup de choses à apporter dans la société, dans la communauté et donc dans ce monde-là. Alors, ne croisez pas les bras. Vous êtes responsables, nous sommes responsables. Nous devons tous nous donner la main pour réaliser donc la construction de ce centre-là. Nous, en tant que des jeunes qui sont consacrés à la dawa, nous avons la force d'aller commettre le péché. Nous avons les qualités. Nous sommes dans l'âge d'aller commettre toutes sortes de turpitudes, comme beaucoup le font d'ailleurs aujourd'hui. Mais nous avons décidé de sacrifier notre jeunesse dans l'adoration d'Allah. Nous avons décidé de nous sacrifier rien que pour la face d'Allah. Et on s'est donné mission d'aller appeler les gens à la religion d'Allah. Et Allah, par nous, a agréé et a accepté de convertir des milliers de personnes à travers nous. Ce que nous, on a là, c'est la petite science qu'Allah nous a accordée, qu'on peut prendre pour aller appeler les gens. C'est ce qu'Allah nous a donné. Allah, il dit, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Les véritables croyants sont ceux qui font du bien avec ce que nous avons attribué comme grâce. Or, la grâce qu'Allah nous a donnée à nous, membres de la DDR, Allah nous a accordé seulement qu'une petite science. Et comme il dit, de faire le bien avec ce qu'il nous a octroyé, donc cette petite science qu'il nous a donnée, nous on a décidé de faire du bien avec en appelant les gens à Allah. Toi à qui Allah a facilité un petit boulot, toi qui as un petit salaire, toi qui as un peu nanti, toi qui as au moins 100 000, 200 000, 500 000, 1 million dans ton compte, toi qui peux donner 1000 francs à la DDR, toi qui peux contribuer à hauteur de 500 francs si tu veux, à hauteur de 5 000 francs si tu veux, à hauteur d'un million, 100 000 francs, même, construis même le centre pour la cause d'Allah. Sachant que celui qui contribue, qui participe ou qui construit un seul bâtiment ou une seule maison pour Allah sur la terre, Allah prend la garantie de lui construire une demeure au paradis, une résidence pour lui au paradis. Subhanallah. Nous, on a accompli notre devoir, on a fait ce qu'on pouvait faire et on continue de le faire. Nous vous demandons, vous à qui Allah n'a pas permis de pouvoir faire la dawa, Allah n'a pas accordé cette petite connaissance de pouvoir faire comme nous. Mais Allah vous a donné la possibilité de pouvoir donner 1000 francs à la DDR. Vous savez, j'en ai fait les émissions, un internaute 1000 francs. Toi à qui Allah a donné la possibilité de contribuer à hauteur de 1000 francs, à hauteur de 5000, à hauteur de 10 000, à hauteur de 100 000, à hauteur d'1 million. Qu'est-ce que tu attends, mon frère?
Sachant que Allah il dit dans la sourate 28, verset 77, d'acheter le paradis avec ce que Allah t'a accordé comme bienfait sur la terre. Ce que Allah t'a accordé comme bienfait, achète le paradis avec. On ne te demande pas d'apporter tous tes biens. On ne te demande pas de venir donner tout ce que tu as. On ne te demande même pas de donner la moitié. Ni Allah, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam a reçu la question, ils sont venus lui poser la question. Qu'est-ce qu'on doit donner dans notre bien pour faire du bien à nos mondes pour la cause d'Allah, etc. Il a dit Koulil Afwa. Allah dit, si les gens viennent te demander Koulil Afwa, ce qui ne te dérangera pas après. C'est-à-dire, tu vas enlever pour donner là. Et puis, ça ne ça va pas affecter toi-même tes besoins personnels, les besoins de ta famille, etc. Non. Enlève une petite partie qui ne va même pas t'affecter. Et puis, tu donnes pour la cause d'Allah. Parce qu'Allah, il le dit, achète le paradis avec ce qu'on t'a octroyé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Hein? Il dit, Wala tansa nasibaka fi dunya. Et n'oublie pas ta part ici dans ce monde. Allah ne t'interdit pas de chercher ta part dans ce monde. Tu vois même la doua dans le Coran. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Il a mis dunya ici et puis il a mis akhira. Oui. Quand bien même que akhira, l'au-delà est meilleur que dunya. Mais c'est pour te dire, Allah n'oublie pas la part aussi, ta part ici dans ce monde. Donc donne pour la cause d'Allah. Et je le dis, et on prend Allah à témoin. Nous sommes dans le mois béni du Ramadan. Voici le Coran que nous vous présentons et nous le prenons à témoin. Chaque 5 francs que vous donnerez pour la construction du centre sera mis dans le centre, dans la cause du centre. Chaque 5 francs que vous donnerez pour la cause d'Allah ne rentrera nulle part que dans la cause du centre. Wallah. Et Allah il dit dans le Coran, « Ya ayyuhallazina amanu, oh vous les croyants. » Il y a beaucoup ici qui disent qu'ils sont croyants. Et la croyance ici, c'est sur le bout des lèvres. Ah, je suis un croyant. Oh, moi, je crois en Allah. Et notre croyance se manifeste à rentrer dans nos 4x4 pour aller dans les mosquées, dans les bassins riches, dans les costumes de hauteur de 1 million. On enlève les souliers de 300, 500 000 francs. On rentre dans la mosquée, on fait les 2 rakats, les 4 rakats. On rentre dans la grosse voiture avec les garde-corps derrière le cortège. On rentre à la maison, etc. Oui, tu es un croyant comme ça? Oui, tu es un croyant. C'est pourquoi tu viens à la mosquée. Mais regarde ce qu'Allah te demande encore. Si tu es un véritable croyant. Allah il dit, Ya ayyuhallazina amanu. Oh, vous qui croyez. Il dit, Anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atun wal kafiruna humu zalimun. Allah il dit ici, oh les croyants. Il dit, Anfiku mimma razaqnakum. Faites du bien, faites le bien avec ce que nous vous avons attribué, ce que nous vous avons accordé. Le peu qu'Allah t'a donné comme richesse, Allah te dit de faire du bien avec. Il y a quel plus grand bienfait que ce que la DDR te demande ici, mon frère et ma soeur. Contribue même si c'est à hauteur de 1000 francs. 500 francs que tu prends pour acheter garba pour manger là. Pour aujourd'hui là, il faut donner ça pour participer à la construction du centre de l'encadrement des convertis. Pour construire une mosquée dans ce centre pour Allah. Wa annal masajid lillah. La mosquée, c'est la maison d'Allah. Toi qui as participé à construire une maison pour Allah sur la terre, Allah te construit une demeure au paradis. Allah dit de dépenser dans le bien. Il y a quel plus bienfait que ça? Ça, c'est une sadaqatul jariya, une aumône perpétuelle qui ne fera que se multiplier en bonus pour toi jusqu'au jour du jugement dernier. Wallah, et même après ta mort. Toute personne, des milliers et des millions de personnes qui passeront dans ce centre, d'année en année, de génération en génération, hein, qui passeront donc pour faire des cours dans ce centre là-bas, même après ta mort, tous ces mérites, tu les auras jusqu'au jour du jugement dernier. Qu'attendez-vous? Allah il dit, faites du bien avec ce que nous avons octroyé comme bien, avec ce que nous avons attribué comme aisance. Le peu qu'Allah t'a donné, Allah il te dit de partager avec lui, de partager dans sa cause, de contribuer dans sa cause. Et Allah il dit, faites cela. Pourquoi Allah te demande de faire ça? Il y a beaucoup qui sont assis qui pensent que c'est leur prière seulement qui vont les sauver. C'est leur jeûne seulement qui vont les sauver. La prière que tu as faite, as-tu eu la garantie après l'avoir accomplie qu'elle a été exaucée? Y a-t-il un ange qui est descendu juste après ta prière pour te dire, mon frère, ta prière a été agréée? Ton jeûne que tu as fait, y a-t-il un ange qui t'a apporté un message pour te dire, ton jeûne a été accepté? Hey. Allah il te dit, tu ne sais pas c'est par lequel de tes bienfaits, lequel des actes d'adoration qu'Allah va t'accorder son pardon et t'accorder le paradis. Mon frère, aide la cause d'Allah. Et Allah il dit,
Anfiku, faites le bien, dépensez mimma razaqnakum, de ce que nous avons attribué comme bienfait, de ce que nous avons donné comme grâce, le moyen, le peu d'argent qu'on t'a donné, Allah il te dit de dépenser avec min kabili an ya'ti yawmun la bay'un fihi, avant que ne vous parvienne un jour, subhanallah, où il n'y aura ni rançon. Il parle du jour de Yawmul Qiyamah. Dépensez de ce que nous vous avons donné ici dans ce monde présent. Dépensez dans la cause d'Allah. Soutenez la cause d'Allah. Contribuez dans la cause d'Allah. Avant que ne vous parvienne un jour où il n'y aura pas de rançon. Tout cet argent, ces milliards que tu as laissés, tu n'as pas contribué dans la cause d'Allah, maintenant tu es mort. Allah dit, il n'y aura plus pas de rançon pour toi. La rançon, c'est quand quelqu'un est condamné en justice, soit un prisonnier. La somme que tu payes, et puis on laisse la personne, c'est ça qu'on appelle la rançon. Donc quand tu es condamné auprès de chez Dieu, par tes péchés qui t'ont recouvert jusqu'au cou, qui t'ont cerné partout, le jour de Yawmul Qiyamah, Allah dit, il n'y a rien que tu pourras offrir ce jour-là comme rançon pour être libre, il n'y en a pas. Mais si dans ce monde ici, dans tes biens, tu as donné une partie pour la cause d'Allah, tu as contribué dans ce genre de projet, hein, ce genre de monde perpétuel qui va même après ta mort continuer donc à te donner des bonus jusqu'auprès d'Allah. Allah il dit de dépenser dans ce sens-là. Voici le moyen par lequel, wallahi, tu achèteras le paradis avec ce qu'Allah t'a octroyé. Wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Est-ce que tu sais que c'est une preuve, le peu de moyens qu'Allah t'a donné? Contribue pour la réalisation de ce centre-là. C'est le mois béni de Ramadan, où chaque bonne action est multipliée à l'infini. Où Allah même dit aux anges de ne pas noter les mérites. C'est Allah qui se charge, dans ce mois béni de Ramadan, de noter les mérites des jeûneurs et de tous les actes de bien qu'ils posent. Wallahi, qu'attendez-vous dans ce grand mois pour contribuer? 5 francs que tu donnes dans ce mois béni de Ramadan, c'est multiplié à l'infini. C'est Allah seul qui connaît les mérites. Nous ne te demandons pas de nous donner à manger. Nous ne te demandons pas, nous, à DDR, de nous donner de l'argent pour construire notre demeure, notre maison familiale. Le centre des convertis, de l'encadrement des convertis. Une seule personne convertie à l'islam est mieux que Dunya et son contenu. Selon les hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. Je répète. Une seule personne convertie à l'islam est mieux que ce monde et son contenu. Pourquoi c'est mieux que le monde et son contenu? Parce que lorsque tu convertis une personne, qu'est-ce que la personne récite? La shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et cette seule phrase-là, selon le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsque tu la mets sur un côté donc de la balance et que tu mets le ciel et la terre et leur contenu l'autre côté de la balance, la ilaha illallah pèse plus que les cieux et la terre. Alors si la ilaha illallah pèse que les cieux et la terre, et c'est par la ilaha illallah que ce converti est rentré dans l'islam, alors la conversion d'une seule personne est mieux que le contenu de ce monde. Une seule personne convertie à l'islam. Et par la grâce d'Allah, la DDA, plus de 2000 convertis. Si une seule conversion est mieux que Dunya et son contenu, imaginez vous la valeur de 2000 et quelques convertis. Et ça continue, et c'est ce qu'on a pu répertorier. Mais nous avons besoin d'un centre pour les encadrer. Une chose est de les convertir, une autre chose est de les maintenir et de les enseigner la religion d'Allah. C'est pourquoi la contribution de tous est demandée. La responsabilité, l'engagement de tous est sollicité. Tant que ce message t'est parvenu, que tu as déjà entendu de tes oreilles, tu es responsable et tu dois contribuer à hauteur de 5 francs, 10 francs, 25, 50 francs, 500 francs, 1000 francs si tu veux, 5000 francs, 10 000, 100 000, 1 million, même si tu as la possibilité de construire le centre en entier. Fais-le pour Allah, subhanallah. Fais-le pour Allah, sois reconnaissant. Ne fais pas pour nous, fais-le pour Allah, sois reconnaissant frère. Sois reconnaissant ma maman. Sois reconnaissant mon père, sois reconnaissant mon frère, ma soeur. Aidez Allah. Et quand on te demande d'aider Allah, tu penses que c'est Allah même que tu aides, c'est une manière de parler. Que ce soit toi ou pas, d'abord qui t'a créé, c'est Allah. Qui t'a donné le peu de moyens que tu as, c'est Allah. Toi, tu peux aider Allah. Quand Allah dit, Intansurullah, yansurukum wa yusabbit akdamakum. Quiconque soutient ou aide Allah,
Allah te soutient, il t'aide, il te raffermit. Et toi, tu ne peux pas aider Allah. Mais Allah veut que tu t'aides toi-même. Alors nous vous demandons, venez vous aider à travers donc le soutien dans la religion de Dieu. Soutenez la religion de Dieu. Venez vous aider, frères et sœurs. Et Allah, il dit, si vous ne dépensez pas maintenant le jour de Yawmul Qiyama, il n'y aura pas de rançon. Et il ne s'arrête pas là. Wala kullatun. Il n'y aura non plus pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié là-bas. Ah, c'est mon ami. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de connaissance là-bas. C'est ici, mon frère, ma soeur. Ce que tu as fait, ce que tu as œuvré pour toi-même, c'est ce que tu vas gagner là-bas. Ce que tu as investi ici-bas, c'est ce que tu vas gagner là-bas. Ce que tu as semé ici, c'est ce que tu vas récolter là-bas. Wallahi. L'entreprise que tu as pu te construire ici dans la spiritualité, c'est elle que tu vas gérer dans l'au-delà. Et faisons attention. Au moment où les gens s'aiment, au moment où les gens sont allés désherber les champs, les gens sont allés entretenir, toi tu es resté à dormir, tu n'as pas contribué. C'est au moment où les gens prennent les sacs pour aller à la récolte, que toi aussi tu prends un sac pour les suivre. Tu vas aller dans le champ de qui? Tu vas le récolter dans le champ de qui, mon frère, ma soeur? Viens s'aimer ici aujourd'hui pour pouvoir récolter demain. Sème aujourd'hui pour pouvoir manger demain quand il y aura la famine. Et donc Allah il dit, il n'y aura pas d'amitié là-bas. Wala shafa'atun. Et il n'y aura non plus pas d'intercession pour qui que ce soit. Tu as eu les moyens ici, tu n'as pas contribué dans ce genre de projet pour Allah. Tu n'as pas donné dans la cause d'Allah. Ce message t'est parvenu. Tu es resté indifférent, tu n'as pas soutenu la cause d'Allah. Alors qu'Allah a eu pitié de toi, il t'a donné tout cela. Tout ceci, Allah, il t'a donné sans que tu ne lui as donné 5 francs. Il te demande de contribuer pour sa cause, tu ne l'as pas fait. Allah dit, le jour de Yawmul Qiyama, il n'y aura pas d'intercession pour toi. Le prophète ne va pas intercéder pour toi, Wallah. Aucune intercession possible pour toi. Et Allah dit, wal kafiruna humuz zalimun. Et les mécréants ce jour-là sont les injustes. Et ils n'ont aucune récompense, ce n'est l'enfer. Et Allah, il continue en disant, Masalul lazina yunfikuna amwalakum fi sabilillah. Il dit que masalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah dit masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Il dit l'exemple de celui qui dépense ou de ceux qui dépensent pour la cause d'Allah ou dans le sentier d'Allah, ceux qui dépensent leur bien pour la cause d'Allah, leur exemple auprès d'Allah, c'est quoi? Il dit que masalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Mi'atu habba. Allah dit leur exemple auprès d'Allah est comme celui est comme un grain, que ce soit grain de maïs, grain d'arachide, en tout cas, une semence. Voilà, hein, une graine que tu as pris, tu as prise, tu as semé, et cette graine a germé. Elle a donné une tige. Je prends, par exemple, le maïs, tu as semé, voilà, une graine de maïs, et qui a germé. Il a donné une tige, et la tige, sur la tige, il y a eu 7 épis. Sur chaque épi, il y a eu 700 grains. Vous voyez? Pour une graine, il y a 7 épis. Pour sur chaque épi, il y a 700 grains. 7 épis, sur chaque épi, il y a 700 grains. Et il y a 100 grains. 7 épis, sur chaque épi, il y a 100 grains. Ça fait combien? Pour une seule graine semée, tu as récolté 700 graines. Et 7 épis sur chaque épi, il y a 100 graines. Donc, ça te fait 700 graines de maïs. Et Allah, il te dit, l'exemple de celui qui dépense dans la cause d'Allah, surtout dans ce mois béni de Ramadan, toi qui as donné 5 francs, 5 francs que tu as donné pour la cause d'Allah,
Regarde comment Allah multiplie. Il dit, c'est comme quelqu'un qui a mis une graine. Tu as donné 7 épis sur chaque épis, 100 graines. Ça te fait 700 mérites pour un seul bienfait. Tu as 700 mérites, 700 récompenses. Subhanallah. Et Allah ne s'arrête pas là. Hein. Il dit, Wallahu yudaifu liman yasha'u. Wallahu wasi'un alim. Et Allah multiplie encore la récompense à qui il veut. Et la grâce d'Allah est immense. Wawasi'un alim. Et il est omniscient. La grâce d'Allah est immense. Il multiplie tout ça encore à l'infini pour qu'il veut. Subhanallah. Mon frère, viens soutenir la cause d'Allah. Ne reste pas juste derrière ton écran de téléphone ou de télévision, un admirateur tout simplement de la DDR. Mais sois un acteur avec les membres de la DDR. Sois un ouvrier actif dans la religion d'Allah avec la DDR. Contribue avec la DDR au développement de l'islam, à l'encadrement des convertis, en participant, en contribuant à la construction du centre, de la mosquée d'Allah, de l'encadrement des convertis. Que ta contribution soit à la hauteur de 500 francs, de 1000 francs, de 5000, de 10 000, d'un million, apporte ce que Allah t'a, c'est-à-dire que t'a facilité. Donc, Inch'Allah, je vais m'arrêter là. Et les contacts, donc, pour contribuer ici à la construction du centre, nous avons le plus 225, le 07 47 32 04 55. C'est le Orange Money, il est en même temps Wave. Et vous trouverez tous les numéros dans la description de la vidéo. Vous regardez le titre dans la description donc de la vidéo. Voilà, vous verrez tous les numéros qui sont là. Je répète encore le premier, le plus 225, le 07 47 32 04 55. Orange Money et Wave en même temps. Vous avez également le deuxième numéro, le plus 225, le 05 05 40 86 85, le MTN Money qui est en même temps Wave. Le plus 225, le 05 05 40 86 85 et le MTN Money et Wave en même temps. Vous avez le troisième numéro qui est le plus 225, le 01 43 66 33 44 et le Move Money. Le plus 225, le 01 43 66 33 44 et le Move Money. Maintenant, ici, vous avez le numéro du laboratoire d'analyse des écritures saintes de la DDR, Oussa Ouattara Ibrahim de la Bagoué. Mon numéro personnel pour tous ceux qui veulent me contacter pour des questions ou d'autres préoccupations dans ce mois béni de Ramadan. Donc, mon numéro est affiché aussi donc, dans la description de la vidéo, mais je l'appelle ici pour tous ceux qui veulent mon contact privé. Le plus 225, le 07 09 01 93 47. Mais s'il vous plaît, n'appelez pas. Laissez un message, qu'il soit un message écrit ou vocal. Et Inch'Allah, vous aurez une réponse aussitôt. Donc, je répète ici, c'est mon numéro WhatsApp, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Qu'Allah nous aide, qu'il nous facilite nos entreprises, qu'il exauce tous nos actes d'adoration, toutes nos prières surrogatoires, toutes les bénédictions, toutes nos lectures coraniques, tous les jeûnes donc, que nous allons faire, etc. Tous les mérites de ce Ramadan, qu'Allah nous inonde les bienfaits de ce mois. Dans les bienfaits de ce mois et qu'il nous accorde son pardon, sa grâce, sa bénédiction, sa miséricorde et que notre récompense finale soit le paradis et qu'il accepte tout ce que nous faisons. Bi'izni, bi'iznillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.